ma mission TV, le miroir du monde. C'est que ton lingui qu'on change en côté. Il faut ni ma passe à Tonga pour que maladie n'ayo ici là. Nayango to sengi na mokonzi amboka yemoko lokulu aza garé à l'institution, garé à bon fonctionnement à l'institution, atala makambo à Kinshasa bien. Asala même lokulu asala ki po boma o babengi FCC cash. Biso to ndimi ko kota na dynamique ngobila wana te, to ndimi ko tikala na kati ya Union sacrée pambate ezali vision ya mokonzi amboka. Nos collègues membres de la dynamique ngobila ont manqué une occasion de se taire et surtout de se rattraper face à l'opinion. Au lieu d'interpeller ce dernier, nos collègues ont choisi de s'en prendre à ces députés nationaux qui n'ont fait qu'exprimer le désarroi de tout un peuple fatigué de vivre dans une cité où l'absence de l'autorité de l'État. Après la démolition sans projet du marché central communément appelé Zando. Sans marché d'appel d'offres, sans contrat, jetant du jour au lendemain, dans le désespoir, plus de 30 000 vendeurs qui n'ont pas pu être relocalisés. Nous rappelons à l'opinion que c'est de la même manière que M. Néron Mbungu Mbungu, vice-gouverneur, a été démis de ses fonctions pour avoir en son temps dénoncé cet état des choses, que l'honorable Mike Mukebai Nkoso a vu ses immunités levées afin d'être livré à la justice pour avoir adressé une question orale avec débat au gouverneur Gentili Ngobila Mbaka pendant la dernière session, que l'honorable Magloire Kabemba Okandja fait l'objet de poursuites judiciaires pour avoir dénoncé au nom du groupe la fermeture unilatérale et illégale de la session ordinaire de mars dernier par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, d'en appeler à l'implication personnelle du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et garant du bon fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo, pour impulser un nouvel élan de gouvernance et de leadership à la tête des institutions de notre ville capitale. Ayez, du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremple Royal sous Kanamasulo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremple Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremple Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors concurrent, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence, stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96. Et Salemananouté, le complexe hôtelier Tremple Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasulo. Chez Tremple Royal, Kanokakae. Déclaration des députés provinciaux de Kinshasa, membres de l'Union sacrée de la nation, en réaction à la dernière sortie médiatique de nos collègues de la dynamique Ngobila. Nous avons suivi par la voix des ondes, jeudi 12 août dernier,
La déclaration des députés provinciaux de Kinshasa, membres de la dynamique Ngobila, réagissant à la déclaration des députés nationaux élus de Kinshasa sur la gestion de notre ville, et avons été choqués par le caractère indélicat et discourtois des propos tenus à cet effet à l'encontre des dix députés. En effet, nos collègues membres de la dynamique Ngobila ont manqué une occasion de se taire et surtout de se rattraper face à l'opinion. Dans cette déclaration inopportune et surprenante, il fustige le fait pour les députés nationaux susmentionnés de critiquer la gestion de la ville de Kinshasa. Point n'est besoin de rappeler que conformément à l'article 101 de la Constitution du 18 février 2006, le mandat du député national est national et s'exerce sur toute l'étendue du territoire national, y compris la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il va sans dire qu'une telle attitude de nos collègues précités est une méprise des missions constitutionnelles des députés tant nationaux que provinciaux et ne saurait ni engager l'Assemblée provinciale de Kinshasa ni emporter notre solidarité. Ces missions qui, en aucun cas, ne consistent à prendre la défense de l'exécutif provincial ou à partager sa gestion, sont celles de contrôler ce dernier, de légiférer et de voter le budget. Une telle attitude prouve à suffisance que la démarche visant la caporalisation des députés provinciaux de Kinshasa et la réduction de l'organe délibérant de la ville en une caisse de résonance n'est plus à démontrer. L'Assemblée provinciale de Kinshasa est devenue une chambre d'enregistrement à la solde du gouverneur Gentili Ngobila Mbaka. Au lieu d'interpeller ce dernier, nos collègues ont choisi de s'en prendre à ces députés nationaux qui n'ont fait qu'exprimer le désarroi de tout un peuple fatigué de vivre dans une cité où l'absence de l'autorité de l'État, les désordres de tout genre, la mauvaise gouvernance, le manque de leadership, l'incompétence ont élu domicile. Nous, députés provinciaux, membres de l'Union sacrée de la Nation, ne sommes concernés ni de loin ni de près par cette déclaration. En revanche, la condamnons fermement, car la morale politique et l'esprit de collaboration entre institutions de la République à tous les niveaux nous appellent au respect mutuel et surtout à la considération à l'égard de nos collègues députés nationaux élus de Kinshasa en général et à l'égard de leur porte-parole, l'honorable Jean-Marc Kabound Akabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale et président AI de l'UDPS. C'est pourquoi, saisissant cette opportunité, nous rappelons à l'opinion que c'est de la même manière que M. Néron Mbungu Mbungu, vice-gouverneur, a été démis de ses fonctions pour avoir en son temps dénoncé cet état des choses, que l'honorable Mike Mukebai Nkoso a vu ses immunités levées afin d'être livré à la justice pour avoir adressé une question orale avec débat au gouverneur Gentili Ngobila Mbaka pendant la dernière session. Que l'honorable Magloire Kabemba Okandja fait l'objet des poursuites judiciaires pour avoir dénoncé au nom du groupe la fermeture unilatérale et illégale de la session ordinaire de mars dernier par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, M. Mpoika Dima Godefroy. La liste n'est pas exhaustive.
Ces pratiques d'une autre époque ont non seulement jeté le discrédit sur notre institution, mais aussi l'ont affaibli face au gouvernement provincial de Kinshasa. Nous ne pourrons continuer à assister à la destruction de notre chère capitale qui peine à redorer son blason terni par des années de corruption devenues systémiques, d'incompétence de ses gouvernants, d'insalubrité devenue endémique, d'insécurité à travers le phénomène Kuluna, de désordre dans le secteur des transports en commun et de la circulation routière caractérisée par les embouteillages monstres et quotidiens, par la non-maîtrise des tarifs des transports, la prolifération des stations-service et des marchés pirates le long des principales artères. L'érection provisoire par l'autorité urbaine elle-même des marchés sur la voie ferrée, après la démolition sans projet du marché central communément appelé Zando. Sans marché d'appel d'offres, sans contrat, jetant du jour au lendemain dans le désespoir plus de 30 000 vendeurs qui n'ont pas pu être relocalisés. Que reste-t-il encore à démontrer? Cette ville ressemble de plus en plus à une cité qui n'est pas gouvernée, une zone de non-droit. C'est ici l'occasion d'en appeler à l'implication personnelle du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et garant du bon fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo, pour impulser un nouvel élan de gouvernance et de leadership à la tête des institutions de notre ville capitale, à l'instar de ce qui a été fait au niveau national et qui a mis fin à la coalition FCC-CACH de triste mémoire. Nous encourageons par ailleurs l'audit annoncé de l'inspection générale des finances IGF dans la ville de Kinshasa. Que Dieu bénisse la ville de Kinshasa et sa population. Nous vous remercions. Voilà. Tikanisito libaku ya kolanda biso na ngonga oyo. Oyo ezali déclaration ya ba député ya assemblée provinciale ya Kinshasa, membre ya Union Sacrée. Totelemi liboso na bino awa pona koyebisa bino boye. Makambu oyo bandeko na biso balekaki na TV oyo tolandaki pona koloba ke au nom ya APK pona kotelemela makambu oyo bandeko na biso ya ba député national balobaki na makambu oyo etali ville ya Kinshasa. Na yango biso tozali contre bandeko wana na ba propos na bango batenaki. Pona nini? Pambate na mission na biso constitutionnelle. Tozali kosala mission moko na biso na ba député national. Mais bang na ba député national. Mais na bango mission na bango ezali plus molai koleka oya biso. Pambate biso tosuki obe na ba ville oyo tozali eli o tobengi province. Mais bango bazali na mission nationale ezali kotala ti na ba province nyonso y compris Kinshasa. Ça veut dire bazana na miso ya kotala na Kinshasa po bazali ba député national. Et alors na constat na bango basalaki balobi makambu nyonso oyo population ya Kinshasa ezali ko décrier. Na yambo ete biso ba député provinciaux to saisir na opportunité o bande ko balobi pour que to luka to bengisa nani nani aza na responsabilité wana ya koyeba ko bongisa biso ba député to bosani musala o boponela ki biso o ezali ya kosala mibeko ya ko contrôler bato bazo kosala pe ya ko voter DJ ya mboka na biso ya ville na yango bandeko na biso bomonaki balekaki wana lokola babosanaki mission toto yebi te soki bayebaki mission te bakomi bango moko ba porte parole ya gouvernement provincial oyo ifalaki bango batala pe ba contrôler eza pe ndenge moko kaka na même occasion
Oyo esengeli na biso ba député to contrôler balongola ki ndeko Néron Mbungu bolanda ki bino soloko la biso ndeko Néron Mbungu azala ki na kati ya gouvernement wana na exécutif wana provincial a dénoncé ki tout en état à l'intérieur mais kaka bandeko na biso ba député boko ye baloko la dynamique ngobila nde basala ki lolenge nyo surtout na ndenge batinda ki bango basala na mutu azo ensemble provincial ya Kinshasa en otage nde basala ki poke balongola mwana mboka Néron Mbungu esuki wana te pamba te bokolo ba me bino bosala ka musala nini pona interpellation nde kona biso Mike Mukebai nazasi bolanda ki asala ki question otobengi oral avec débat pona ko bengisa chef ya exécutif ya ville Kinshasa po a koloba na makambu nyonso bande kona biso ya national ba lobby boye bindenge sukela kiye mbangu mbangu balongoli e humilité po babwa kai na justice akende ko samba to telema ki wala te po na bo comprendre makambu nyonso ko leka na Kinshasa nde kona biso moninga na biso magloire kabemba to sala ki déclaration to sala ki tourner to kenai ko tala ba konzi ya ba institution misusu po to tali sabango pasi nini to zali ko mona na ensemble provincial ya Kinshasa ndenge nini to zali ba difficulté ya ko sala musala na biso na ndenge longo bani si ma beaucoup tali na ba konzi to sala ki déclaration déclaration ana moto sala ki yango zali moninga na biso ma gloire kabemba o to signer ki yango biso nyonso mais lokola ka to sala ki déclaration nde ba kamati ye lisusu batindi dossier bak akende ko samba tozoze la kutu balongola humilité na epo yango ekomi habitude na nyonso wana tangu totali tolobi boye Kinshasa ezali mboka oyo ezali banda ya kokoti ezali mboka oyo réalité nango toza komona toza koloba te ke to condamné toto sala boye non toza koloba réalité ezali mwana nyonso ya Congo ayebi ke foule ezali partout banzela ezali te na ebite na exécutif mbula mibalo basali soki nzela nini basi basali o ba inaugurer to eto beti maboko balobi nzela ki ngandi yango esi esili to yebika ke zalaki na balancement babandi ko sala banzela mais kino ekosila to yebite toza komona banzela mususu ya 300 mètres balobi durée de travaux 24 mois lelo baza ko talisa biso na makambu nyonso eza koleka wana balobi non badepute ya Kinshasa basiliki na makambu oyo mwana mboka Jean-Marc Kabundi alobaki oh mais mwana mboka Jean-Marc Kabundi azali président institution tango alobi parce que azali eli ya Kinshasa lokola biso bavota biso na bango mokolo moko na kasa moko soki biso toza na compte à rendre na Kinshasa lolenge pe bango bazali na compte à rendre na Kinshasa na yango wana pona koyeba kosukisa tozali kosenga na mwana mboka mokonzi wa ekolo papa Félix Tshisekedi Tshilombo atala miso na ye na Kinshasa pamba te Kinshasa ezali miroir ya Congo Kinshasa ezali kitalatala Kinshasa ezali siège des institutions Kinshasa ezali la ville qui donne l'impulsion à travers toute la république soki lelo Kinshasa ezali ko refete image otozali nango eke tobombi koloba ezali mawa pona biso moko c'est que to lingi ko changer yango te il faut ndi mapasi ya tonga pour que maladie nayo esila na yango to sengi na mokonzi ya mboka ye moko lokula za garant ya institution garant ya bon fonctionnement ya institution atala makambo ya Kinshasa bien asala même lokola sala ki po boma o babengi FCC cash biso to ndimi ko kota na dynamique ngobila wana te to ndimi ko tikala na kati ya Union sacrée pambate ezali vision ya mokonzi ya mboka o eboyi makambo nyonso tu ya médiocrité esengi to sala mosala na ndenge esengeli. Merci na mutuna oyo tuningai eza occasion na mekalisusu ko tombola mbela na lever encore le ton sur dossier oya triomphal bilomo boyebi au début tango projet wana ebandi tomoni batol bayo sala palissade basali enclos pona basala usine ya traitement ya ba matière fécale bazobenga ngo usine de traitement des eaux usées alors tango bana kasavubu bayo kiango
ba moni yango ba ye epa na ngai ba singa meyo za molobe na biso tozo comprendre te elo oni ezo le kawana na triomphal na kitawana na bana ya kasavu na bengi ba collègue na ngap député provincial commission environnement toye na bango wana totuni batu otokuta kiwana bazaba délégué ya fondation moko ya ba français ba ibsi biso non toza osala usine moko ya traitement ya ba matière fécale awa bout de vidange ya ba fosse septique te si ba otobi mais est-ce que place oyo eza vraiment site oyo eza approprié pour na osala usine wana parce que nesika oyo à côté toza na stade de martyr toza na palais du peuple toza na musée ba osala la biso centre de conférence internationale biloko ebele ya minene parce que na plan d'aménagement de la ville de Kinshasa site wana eza dédié na ba bâtiment imposant bâtiment minene bongo to bien est-ce que ça approprié ben ce soit lo biso toza na problème te biso to singa ki na niveau ya hôtel de ville ba pone na biso esika oyo toya osala usine wana nde ba memi biso esika oyo to esi bango to lobi mais siko yo tango ba camion bloko parce que ba camion nyonso tout ba bloko ezala na Kingabwa yango e banda wuta kuna ezoya ti awa na triomphal mais ba camion wana be ozana ba fuite na ba tuyo na yango so ba fuite wana et bimi e komo bimisa matière fécale bozomo na teke ko polluer environnement awa et à côté to zali na école to zala ba résidence ya batu et sa propriété za indiqué te site oyo ba délocaliser yango ba tiango ailleurs ba ibisi so ba lobi biso za na problème te d'ailleurs site oyo e ozala vraiment mieux indiqué et sa place oyo ezali na nini site agricole et à côté na ngosoko mai eza koleka et ozala bien parce que tango biso to go traiter ba bout de vidange wana ba matière fécale wana et go permettre ba arroser ba mai na ngo wana na ba bilanga po et pesa et amender le sol c'est dire que ba biloko ba ndunda e bota malamu le reste to go ko boka ngo na ba na rivière c'était ça tokei na posé problème na niveau na interpellé na sali question orale et pas un ministre il y a infrastructure travaux publics ou à ville à Kinshasa parce que m'tape ça ka autorisation pour que ba ko implanter usine wana place wana triomphale aye a expliqué biso to ibisi to bino Kingabwa toza ba site agricole Masina Rai site agricole ezali eza traversé na rivière Njili so repé ba ko memango en dehors na périphérie kuna kota ba mtele maluku e kozala mieux place eza munene ba ko ripé ko pe ko aider ba mama oyo ba mama maraîchère ba boyi na niveau assemblée provinciale comme dynamique ngobila ya omteza na majorité kuna dynamique ngobila etele meli biso et lingi ba longola yango kuna na place wana te nde session e aussi là ya une session ya mars oyo ya non session mars non session ya septembre je crois ya 2020 te gotika ngo to comprendre te mikolo yo to moni lisusu ezala ki bazwa ki mo espace muke ba bzui lisusu ya munene koleka ba teka ba tolwana tozo comprendre te c'est quel projet balini suko sala wana ezaka extension il y a usine wana il y a traitement des matières fécales to eloko nini mais la moindre des choses ezalaka boye bo soloni na population sensibilisation ko expliquer batu to lin to sala projet boye projet oyo eza d'intérêt collectif communautaire eza pona boye boye na boye bo soloni na population na biso ba représentant la population toyebi ke eza pona boye to tuni mituna soko toyokani toza d'accord bo sali projet wana soko esimbite tobino bo salango ailleurs mais na gouvernement provincial ya Kinshasa ba implikara population te
biso même na niveau assemblée provinciale toyebite nengai awa représentant député élu à Kasavubu na ebité loko nini bazo singa osala sikoyo na terrain wana. Mais ça danger mais ça ba matière wana mais ma matière fécale wana et ko bimisa ba manache moko toxique et ko bebisa ça santé aux nuisibles na santé à population parce que ndinga wana ezala bandaku ba résidence ezawana école si Georges Simenon ezawana bana batanga wana bosuka bana tango batanga tango ba emanation wana ba nomata ekoya ko bebisa santé à bana. Ngai la semaine prochaine na ozwa population toya wana lisusu na place wana auto comprendre soko to longwe wana na komema bango toke na hôtel de ville toeba na ministre sectoriel compétent oazo gérer projet wana a expliqué biso et loroni memba sala et pourquoi ba ko délocaliser yango ailleurs te tango to zonga la session ya septembre je poserai le problème et je déposerai une recommandation pour la délocalisation de ce projet et longwa awa batindango na site oeza approprié voilà merci beaucoup. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Temple Royal sous Kanamasoro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Temple Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Temple Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Temple Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Temple Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence, stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salemananouté, le complexe hôtelier Temple Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Temple Royal Kanokakae. Ma mission TV, le miroir du monde.